je le répète, il y aura le problème du patient qui va vivre de façon difficile parfois, le fait d'avoir cette impression que, alors que je me suis intéressé à lui, tout à coup je ne m'y intéresse plus vraiment de la même façon. Et c'est quelque chose de parfois très très difficile à gérer. Une fois que ça s'est terminé, je ne suis pas encore au bout de mes peines. Parce que avoir un retour du spécialiste psy chez qui je l'ai envoyé, ça c'est la galère. 9 fois sur 10, je n'ai aucun retour du psy chez qui je l'ai envoyé, pour des raisons très souvent dites éthiques, mais j'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe. Peut-être que c'est pour des raisons que le psy n'aime pas écrire, c'est aussi possible, mais serait-il que moi, dans mon métier, pour continuer la collaboration avec la structure ou le spécialiste psy, il faut un retour que très très souvent je n'ai pas. On a déjà beaucoup discuté avec des centres de santé mentale proches de chez nous, et il y a une espèce de peur. On ne peut pas dire ce que le patient a dit, ok, je ne demande pas qu'on dise ce qu'il a dit, mais qu'on me dise au moins ce qu'il devient, s'il a été, des choses comme ça. Et là aussi, c'est très difficile parce que ce retour est quasi inexistant. Voilà, en 2 mots brossés, la façon dont moi généralise je vis des problèmes et en quoi un colloque comme celui-ci m'intéresse particulièrement. Et je passe directement la parole à mon coprésident psychologue qui va certainement apporter une réponse à toutes les questions que j'ai posées.